Ok, let's go. 439, 463, 404. C'est quoi elle? C'est plus une ninja? Ouais, ça a l'air d'être une ninja en vrai. Ouais. Choisir les armes. Arme numéro 1. Donc son arme de prédilection, c'est celle-ci. C'est tellement de la merde ce que j'ai quand même. Et en arme de prédilection numéro 2, c'est. Je sais pas ce qu'elle fout avec une épée. Javelot. Normalement, il y a moyen que. Attends, épée de général. Non, fléau. Non. Pic double. Y a moyen que. Attends. Bâton court, non. Javeline. Oh, why not? Hop. Ton arme number one, genre sur une prédiction, c'est ça, bon why not, hein, mais il faudrait que j'en achète un mieux, quoi, parce que 3, 22, frère. Un peu de la daube, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va équiper les talents. Oh! Au moins, genre des coups critiques. Il y aura des trucs à sélectionner, à prendre en priorité, mais voilà, quoi. Confère un bonus de régénération de votre joueur de furie. Ouais, pourquoi pas. Bonus, art secrète, modification de stat existence. Confère un bonus de régénération de vie, autodidacte. Bonus de sortie, augmente les chances. Détermination, restaure plus seulement à votre vie lorsqu'on vous renverse. Source de musou. C'est trop fort. Ça te permet de faire des spells H24, tu vois. On va commencer, on va aller acheter une arme, je pense. Par contre, techniquement, on a de la thune. Je pense faudrait mettre de. Ouais, je sais pas. S'il te plaît, que j'ai à défendre personne, frère. S'il te plaît. I simply need to do what we did at Puyang. This will be over shortly. Master Lu Bu. What do you think you're doing, Ling Chi? Father, I'm going to battle with you. I will do what I can to help you make this land your own. C'est son daron? Forget it. No, I insist. Ok, non, c'est peut-être sa fille adoptive. Ils ont trop de trucs de délire adoptif ici. Zhang Liao, I'm entrusting you to look after Ling Chi during the battle. Oh. Donc ça, techniquement, du coup, on a le perso qui doit pas mourir, avec le bleu. J'espère qu'il y a des Kinoichi dans le jeu. Hein. Par contre, j'ai vu, il y avait des trucs de talisman, des bails du genre, donc forcément, il y a des Kinoichi. Juste que moi, je suis juste un connard qui... Je me rappelle vraiment de rien, je vais pas vous mentir, je me rappelle vraiment de rien. Arme de prédilection, clac clac. Ça peut être bien en vrai, on arrive à 30 en vrai de vrai. Attaque brutale. Permet de porter une attaque furie véritable à tout moment. L'attaque augmente que ce soit maintenant, mais votre défense est réduite. Alors là, mon gars, j'ai des grosses couilles en or. Je pense ça. Et j'arrive. Ok, on a acheté l'arme. Du coup, on va la mettre, je pense, littéralement. Quoi qu'on ait pris en deuxième, là, je sais, j'ai oublié. En projectile, il y a moyen qu'elle a des javelines. Ouais, c'est ça qu'on avait pris. 35. Enfer, élévation. Il n'y a pas grand chose qui est spécial. Ah, je m'attendais à ce que tu vois, elle ait beaucoup d'armes de spécialité, mais apparemment non. Ok, bon, on est passé sur ça. Le grand truc, c'est bien pour nous. Vendre. Bah, en fait, c'est les armes, techniquement, tu peux pas les vendre. Tu regardes, déjà, ils coûtent pas forcément cher, mais il y a des armes, ils sont incroyables pour certains persos. Après, je pense, tu vois, ces trucs-là, autant les vendre, tu vois. Je gagne 15 000 armes, tu vois, donc. C'est ça, hop, ça que j'améliore. Donc on passe à ciel. Attaque brutale.
Bah si elle terre, ça va en vrai, c'est une bonne combinaison d'attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 attaques, 7 attaques du coup. Et il y en a 5, on peut faire des attaques spéciales. 465. Guettez l'attaque au moins, à quel point elle peut être améliorée. En vrai, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Il est où le gars que je dois parler? Il est là-bas. C'est Tipar. Maître le bus, c'est son incroyable puissance mentale et physique qui nous brille en vendant de Xampi. Ah, mais je crois que je vais y parler à Blue. On va prendre la province de Liu pendant que Liu Bei et Yichu sont occupés à se combattre. Commençons par Xampi. Si Liu Bei revient plus tôt que prévu, nous l'écraserons. Nous sommes menés à l'attaque, je vais m'emparer du château d'Xampi en un clin d'œil. Bien, mais ne te fais pas tuer. Ouvrez les portes. Défaite de Liu Bei ou de Shang Zhou. Mais baisse ta mère, Shang Yong, putain! Je sais même pas à quel point j'en ai rien à branler qui meurt lui hein. Putain. Ça a l'air d'être un truc que je peux balancer genre. Ouais. 1, 2. Oh. 1, 2. Dame. Ah je la sépare en deux. Boum. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est la tornade. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est moi qui tourne. Bon, le bout, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Mais... Ah, je peux jeter et après foncer. C'est pas mieux, c'est pas mal ça. C'est un bon dash. Ok, bon en vrai Liu Bei, vas-y, j'ai toutes mes chances, il va pas crever, j'en ai rien à branler. C'est plus Shang Yong qui va me casser les couilles genre. Avancer par là, eux ils vont à droite, mais moi faut que j'avance par là. Ah, j'ai plein de dash après une fois que j'ai fini. Genre, c'est tout. Ta grand-mère. De la merde. Je regrette ce perso. Connard, ouais, chaque quelle heure. Je peux passer en mode Fury à la fin d'une attaque. Pas mal ça. Normalement c'est à la fin de l'attaque numéro 4, c'est ça? C'est fort. C'est trop fort de passer en mode Fury par contre. Il est mon cheval, il est là. Let's get this fight started.
On va se mettre en mode fury en vrai de voir. Connard. On va ulti pour les faire préparer un peu là. 2, 3, 4, 5. Je peux dasher à chaque fois, ça c'est pas mal ça en vrai. Le délire du perso est pas trop mal. Là, il a rendu ses barres genre à gauche. J'avais rouge, j'ai pas trop bien compris. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Bam dans ta mère. On va aller là-bas. Hein. Ton armée là, je sais même pas à quoi elle sert, ça sert à rien. Je m'en bats les couilles, je vais aller avancer avec Lubu et tout. Bon, moi au final, regardez, ils me suivent donc. Pas me suivent. Pas vraiment, mais ils sont là quoi. C'est pas par là qu'on passe, je suis un débile. C'est en haut qu'on monte. Et là, c'est fermé du coup. Trop fort par contre d'être en mode fury tout le temps. Je veux un nouveau One Piece Pirate Warrior. Je kifferais. En plus, ça, il y a moyen de faire.
Du coup, un vrai, une vraie guerre avec le pays des Wa. Walkek Island, il y a moyen de le refaire. Les maps, il y a moyen de les faire beaucoup plus grandes encore plus. Des grands champs de bataille à nouveau. Par contre, j'aimerais bien qu'ils remettent toute l'histoire entière et non abriger ça. C'est plus intéressant de faire toute l'histoire entière, voire même quelques petits trucs. Tu vois, ils remettent des Thriller Bark, etc. Genre. Parce que oui, ils ont trop cru, les gens, ils avaient détesté Thriller Bark, Skype et tout, mais c'est genre, c'était MVP. Hein. Let's go. Le bâtard là il court bien vite hein, mais quand c'est moi ils sont c'est les plus lents du monde. Bande de yinche. Un commandant d'unité, j'en ai rien à foutre. On va aller là-bas, on va aller s'attaquer. Ah non, c'est peut-être sa fille du coup, elle s'appelle Lu. De me taper, tu vas me laisser taper, merci. Merde, oh j'étais dans les airs. Oh pas mal. Mais meurt, wesh. Il est où? Ouais, il est tombé. Arrêtez de le pousser et tapez-le par derrière, va. Il donne des bails, eux. Ah ouais, il donne des trucs. De l'XP, ouais, pourquoi pas. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. Je vais le cut, si je fais tout le tour, c'est long. Bah regarde, il faut du cul, il faut tout le temps. It appears that resistance is futile. Il était commandant parmi eux en difficulté. Tu vas défendre Norwing? Non, genre on a branlé. Bah alors? Bah alors Liu Bei? Aïe.
Moi, je gagne, hein. Voilà, j'ai prouvé à mon daron, c'est qui le plus fort. We can fight no longer. We have no choice but to let Lu Bu have this land. We have won the battle and secured this castle for my father. Je crois que j'ai jamais fait une game aussi rapide, hein. Vas-y. Après, c'est un peu plus facile entre guillemets maintenant que j'ai capté que je pouvais acheter des armes. Bon, j'ai plus assez de gold, j'aurais pas assez de gold, genre si j'achète à chaque fois des armes, des nouvelles armes et tout. Ouais, on a enfin une nouvelle terre. Bon, après avoir pris Xapi, Lubu et Lubu se rendent dépêche, blablabla, de rendre Psyxu. Perdant ainsi sa demeure et sa famille, retourner en otage, Lubu propose directement à Lubu de faire la paix. Il va accepter? Lubu accepte et libère sa famille et lui donne les terres de Xiupei. De toute façon, Lubu, il lui fallait seulement une terre, hein. Quand je vois qu'il conquiert un truc, après il se fait baiser parce que ses alliés lui disent de fuir. L'année suivante, Yuchus s'autoproclame empereur de What the fuck. Pour ceux qui n'a pas l'avantage, Liu Bei demande à Liu Bei d'intervenir dans son nom auprès de Yuchang. Yuchang n'est rien de plus qu'un insecte sans valeur aux yeux de Liu Bei. Bah bien sûr, hein. Mais Liu Bei trouve naturellement son compte dans la requête de Liu Bei, cela fait si longtemps. Ouais, il veut que la bagarre, lui. On lui demande de montrer sa force, sa toute puissance. Lubu promet d'aider Liu Bei et se dirige vers le champ de bataille. Vous rendez compte qu'imaginez cette map entière open world, tu dois aller d'un point A à un point B comme un bouffon. Non, mettez-moi le bout, s'il vous plaît. L'armée du démon va pouvoir montrer sa puissance à l'armée. Oh, la vie que je reprends la meuf. En fait, lui, j'aime bien, mais ses armes, c'est de la merde, genre. Ah, c'est ça qu'il joue? Ah non, c'est arme des trompes, ouais, chakram. Non, c'est ce que moi, j'avais joué. Ouais, parce que ça garde les armes, voilà. Ce que j'ai récemment acquise. Épée. 25-34, c'est mort. Piste encore plus mort. 28, c'est mort. Bâton court, 22 grand max, c'est mort. On va garder elle, hein, précision. Ça, pas seulement votre vie. Et de victoire, augmente les chances de trouver des objets lors de la bataille. On va prendre, il y en a beaucoup. Ouais, go, en vrai, on va recommencer du coup avec elle, let's go. Je vais le laisser dans une vidéo, puisque techniquement, en vrai, c'est le même perso, et voilà quoi. C'est dommage que Yu Cheng se soit attaqué à toi, Maître Lu Bu. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de Yu Cheng. Merci, Maître Lu Bu, je vous souhaite de réussir. Allons-y, débarrassez-vous de tous de ceux. Je vais défendre qui? Défaite de Lu Bu ou de Sheng Chong? On est mort de défendre Sheng Chong. Honnêtement. Y'a de l'eau? Ah, y'a de l'eau, mais quand tu zoomes comme ça, l'eau tu la vois plus. Ok, bon lui je m'en balais. Ok, c'est qui lui? Shen Deng. What are you doing? You've got some nerve trying something like that right in front of me. Y'en a, il est parti tout seul là-bas. Les unités patrouilles ennemies à repérer, ingénieur. That takes care of those pesky individuals. Now, ouais, il est passé par là, lui. Is everything going well on the front lines?
Ah mais baisse ta mère, putain, c'est trop chiant. Chen Gui has been forced to retreat. I don't think we'll be able to get Han Xian to defect now. Mais comment il est passé par là, ce fils de pute? Liu Bei will come to attack. Et je me casse, c'est bon. We must make our preparation. Mais quoi? Mais quoi? À quelle heure ils sont passés par là, les deux, genre? Oh, mais c'est cancer. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah mais je peux me barrer, c'est bon. Ah, horrible, cet endroit horrible. Il y a un gars qui est parti tout à droite là, je sais pas c'est qui là, mais je crois que c'est... Ah c'est Xu Sheng. Bon après pour l'instant il a personne, tranquille. Insupportable les flèches que je me prends. Voilà les ennemis, genre. Galère ici. Hein. Ouais, tout ce que j'ai, par contre.
Let me in on the action! I'll smash everything in my path! What is the matter with Master Zhongfei? He's going to ruin our carefully planned strategy. The enemy is destroying my valuable property! Stop that at once! Can nobody deal with these ruffians for me? I will not be beaten! On every last member of our forces. Je sais pas si je dois défendre check machin là. C'est pas vite s'il était en difficulté. Hey, somebody stop these guys. I need that box. Oh, my precious box. I will not be able to forget the shame of fleeing from a battle. Il est où? Ah là c'est debout. I will not be beaten. Fine work. You're not too shabby. You have come to fight me? Then come and get some. Ling Chi, it is too dangerous. I'm only up against these odds because I want to. Our position is secure, and our foundation is solid. We will be able to oppose your new empire. There is no way we can carry out the strategy now. On va le tuer, bam bam. My hidden treasures are completely destroyed. They'll pay for this with their lives. You're strong. I like that. Know this, however. Eventually, you will be mine. You want to be my husband? Don't make me laugh. You're not man enough for the daughter of the mighty Lu Bu. Come and face me. Now it's my turn. You've done well, Ling Chi. I will not be beaten. Try not to overdo it. Oh mais ta mère. Faut que j'aille me dépêcher parce que. My vision for the land has not yet been realized. Et là faut que j'aille là-bas. Voilà. Je vais aller les rejoindre. Parce que là l'autre déjà je l'ai laissé tout seul depuis tout à l'heure là frère. Il a dû se faire défoncer frère. Et comment ils font pour traverser ça? Honnêtement, j'aimerais savoir. Ling Chi, it is too dangerous here. I'm only up against these odds because I want to. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. Je vois même pas la vie de l'autre gars. Il avait toute sa life. Mais attends, à chaque fois le gars il a plus de life, il a plus de vie, ça me vénère gros. Là tu vas me dire il avait toute sa vie, ce trou du cul là. En vrai ça m'arrange hein, mais bon. Moi je gagne, bon bah les couilles. Be gone.
look forward to doing it again. You are doing an excellent job. Let's go! On a pris quoi, 15 minutes sur ce niveau? Ça va, ouais. Yuan Shu, shall we not both lay down our arms? If you repent for declaring yourself emperor. Silence, Liu Bei! You are one to talk, being constantly led about by Lu Bu. How dare you? Enough! I'm tired of this useless bickering. You're finished, both of you. Il va aller prendre les deux avec lui. Make peace. Lu Bu, how dare you speak to me like that? Then, let us make a bet. Il aime trop lancer son hallebarde, lui. I shall aim for that weapon with this bow. If I strike it, then you will withdraw your troops. However, if I miss, you are free to do as you please. Ha! That's an impossible shot, even for you. Mais il a 4 étoiles avec l'arc. Very well. I shall agree to this bet. Liu Bei, I trust you do the same. Voilà, touché. Il a 5 stars avec l'étoile, il peut pas rater. A man never goes back on his word. Out of respect for our wager, I shall lay down my arms. Espèce de salope. Wise move. En vrai, pour le combat, il aurait dû faire semblant de rater, comme ça on lui baisse sa mère. Hein. Liu Bei et ses hommes prouvent leur force à Shu Chun et permet à Liu Bei de faire face à Yu Sheng Yu Jun. Même si Liu Bei est satisfait de l'issue du combat, Liu Bei et ses soutiens sont mécontents du Liu Bei. Et je vais niquer ta mère, toi. Il utilise sa force pour prendre tout ce qu'il veut. Bah, c'est la base. Hein. Il pense que c'est ce genre d'arrogance qui est à l'origine des tourments du pays. La loyauté de Liu Bei commence à vaciller. Ils réunissent leur amitié et jurent une nouvelle fois d'affronter Liu Bei sur le champ de bataille. Tu vas perdre, mon gars. T'as perdu contre la fille. Au même moment, un émissaire de Kakao arrive comme pour le sonder. Kakao, j'ai envie de le jouer. Il a l'air incroyable. L'émissaire vient de lui proposer de combattre Liu Bei avec son être. Oh. Mais Liu Bei est en avant et entre en rage folle. Il avance sur la voie de la tyrannie et refuse toute forme d'ingratitude. Là, il va niquer tout le monde. Là. Let's go. Accompagné de Sheng Xiong et de sa fille, Liu Bei va à la rencontre de Liu Bei et Li Xiao. Let's go, on va pouvoir jouer Liu Bei à nouveau. La rage du démon aura-t-elle raison de l'armée guidée par la vertu? Ben, on verra ça la prochaine fois. Let's go.